Salut tout le monde, c'est Fémi Mars et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de Minecraft Ultimate Survival avec notre mineur fou, complètement fou, qui s'était fait blesser dans l'épisode précédent par de la lave, Brendan. Hello, comment allez-vous? Je peux pas répondre à leur place. Donc on continue. Ils écriront ça dans les commentaires. Hein. Voilà, vous écrirez comment va Brendan, enfin comment vous allez, pardon. Donc très bien. Voilà, il va très bien. Il a pu découvrir l'air libre hein, depuis que je l'ai fait sortir de sa grotte. Hein. Donc voilà, on a une pioche en iron, les amis, et avec Brendan, on avait trouvé un semblant de lave. Tiens, je vais quand même te donner des équipements parce que tu t'étais fait frag par la lave. Tiens, hop, une deuxième. Donc on va retrouver la lave et essayer d'explorer un peu plus. Mais je ne sais plus où c'est. Ah oui, c'est. T'as encore un peu de temps. Ok. Voilà, on continue. À mon avis, c'est. Ouais, c'est par là. Mmh. Une torche ici. Voilà, c'est ici. Ah, mon tour en rond, t'as raison. Non, regarde, viens vers mon pseudo. Comment. J'arrive. Hop là, donc voilà, on arrive, on voit la lave. Donc lave égale source de diamant très proche. On va essayer d'en trouver. Et si on en trouve, on va essayer de remonter tout ça à la base. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas assez profond pour trouver. Non, je regarde ça en étroit. Non, mais presque. Donc alors, explique-moi comment avec les coordonnées tu peux savoir quand on va trouver du diamant ou pas. En fait, X c'est une coordonnée en direction, Z aussi, et Y c'est ta profondeur en fait. Et pour le diamant, c'est en dessous de 16. Donc c'est en dessous de 16? Oui. Mais on est à 23 là. Oui, il faut que ce soit moins de 16 en fait. Ah d'accord, ok, excuse-moi. J'avais pas trop compris. C'est une petite astuce en fait. Ok, d'accord. Donc, en dessous de 16 on de profondeur. On peut dire que c'est un peu utile quoi, de faire ça, autant chercher un lac de lave. Parce qu'en plus, cette option elle est disponible qu'en multi, je crois. Non, ça fonctionne en solo. Mais c'est... Ok, d'accord. Donc, Brendan nous récolte du lapis lazuli, ce qui sert juste à faire des blocs de lapis. Hein. Ce qui est... Et à colorer la laine en bleu aussi. Oh. C'est pas très utile, mais c'est toujours pour une décoration. C'est décoller. Plus esthétique, hein, aussi. Enfin, ça peut faire des choses assez belles. Donc voilà, on va s'enfoncer dans la grotte. Il y a la lave qui nous bloque, malheureusement. Oula, mec, je pense qu'en face, il y aura du mob. J'espère qu'on va avoir un Enderman pour pouvoir le tuer, tout simplement. Bon, même si on n'a pas l'armure pour... On pourrait essayer de chercher un. On pourrait aller dans le Nether aussi, éventuellement. Ouais, et c'est ça le but. Enfin, c'est l'une des missions qu'il faut qu'on se fixe. Faire une maison dans le Nether, par exemple. Et voilà, aussi, on peut faire ça. Donc, les amis, j'ai trouvé de la redstone. Oh, bonjour. Ça sert juste à faire des courants électriques. Et ça se mine qu'avec une pioche en fer minimum. Ça tombe bien, j'en ai une, donc. Parce qu'à l'époque, il suffit de la redstone comme ça, alors qu'avec une pioche en pierre. Surtout qu'avec une pioche en pierre, on met environ un quart d'heure à miner la redstone. Exactement. Alors l'obsidian, c'est même pas la peine d'essayer. Que avec une pioche en diamant. Et encore, ça prend 15 secondes. Wow, non. Non, punaise, non. Putain. Ah, j'ai fait cette grotte. Oh non. J'avais tout. Non. Voilà, on se retrouve à côté d'un cochon, là.
Punaise, il me regarde, mais espèce d'idiot, pourquoi t'es tombé dans la lave? Oh là là, avec ses petits yeux là. Bah les amis, un petit epic fail. Je mine tout simplement le cube qui était en dessous de moi, et comme par hasard, qui était là? Madame Lava! Et bah voilà, Emma Ken. Donc voilà, je suis perdu. En plus, on peut même pas récupérer mes équipements, parce que tout à coup. J'ai réussi à en récupérer quelques-uns, hein, heureusement. Et non, pas tous. Voilà. Je me suis récupéré la cloche en fer, la redstone et quelques cloches. Oh là là, les amis. Franchement, notre starting avec Brendan commence très mal. Hein. Il est mort une fois dans l'épisode précédent. On va se récupérer après. On va, et voilà. Je crois qu'il y a un Enderman. Donc, je vais essayer de me ramener rapidement. Bon, le mieux, c'est que je me TP, hein. Mais bon, de toute façon, vu comment on est parti, se téléporter encore une fois, ça va rien changer. On a trop mal commencé, mais... Finaise, en plus, j'ai essayé de m'en sortir, mais... Donc ouais, voilà, les amis, on peut voir de l'obsidian ici. Oula. On n'a plus aucun équipement, on ne sert absolument à rien. Il y a de la lave juste à côté de toi, donc... D'ailleurs, je vais sécuriser un coup. En fait, moi, je trouve que les montres... Ah oui, il y a un Enderman, les amis. En fait, j'ai un petit stuff, voilà. Ok, d'accord. Pas de problème. Donc, alors, les amis, la technique avec l'Enderman, il n'est pas agressif, à part si vous le regardez dans les yeux. Voilà. Donc, je pense qu'on va pas l'agresser parce qu'on va se faire bouillave. Hein. Ok. Ah, et pas ça aussi. Merci beaucoup. Donc, on va continuer cette aventure. Il y a encore du lapis. On est en 15, donc s'il y a possibilité de trouver du diamant. Bon, là, le lac de lave est particulièrement petit. Mais... À mon avis, mec, on va en trouver parce que je le sens, tout simplement. Et quand je sens du diamant, c'est que c'est tout. C'est bien, quoi. Donc, voilà. Bon, on est mort une fois chacun. Voilà, bah, c'est des choses qui arrivent, hein. Enfin, ah oui, aussi, je voulais dire, je trouve que les monstres dans Minecraft, ça sert absolument à rien. En fait, Natch aurait dû tout simplement mettre de la lave partout, hein, et voilà. On meurt à chaque fois, parce que tous les Minecrafters, eh ben, ils meurent comme ça, hein, tués par la lave, c'est souvent comme ça qu'ils meurent. C'est tout bête, mais bon, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Quand le seul moyen de galérer avec les mobs et de faire vraiment gaffe, c'est de jouer en hardcore. Je crois que ça veut. Ah ouais, mais en hardcore, c'est complètement ouf. Que une seule vie. Vous avez une seule vie, et voilà. Si vous mourrez, bah votre serveur, boum! Enfin, votre monde, boum! Il n'existe plus. Oula! Là, j'ai cru que c'était du diamant, mais non, en fait, c'est du zombie. Donc, il y a encore un mec. Mais il y a combien d'under, là? En plus, je peux même pas taper parce que le zombie s'est mis derrière. Pardon? Oula! Voilà, on a tué le zombie. Brendan, je m'enfonce dans les profondeurs de la terre. On voit des torches. J'ai dû faire le tour alors. Hein. Ouais, ouais, exactement. J'ai fait le tour. Donc, je vais pas me jeter dans la lave pour la récupérer. Sachant que c'est pas super utile dans ce qu'on va faire. À moins que je fasse vraiment qu'on fasse quelques tutos sur la redstone. Mais... Oh. Ah non, non, non. Donc, on a toujours pas trouvé de diamant. Par contre, on a de l'obsidian, mais malheureusement, pour miner l'obsidian, il nous faut une pioche en diamant. Ce qui est assez relou à avoir parce qu'il nous faut un minimum de 3 diamants pour faire une pioche. Donc, je n'ai plus de torche. Donc, je vois absolument rien. C'est pas très cool pour les personnes qui vont visionner la vidéo, donc... Ah bah je vais t'en passer parce que j'en ai récupéré 4 des tontons. Ok, d'accord. Plus, oula, plus bah, là. Mec, j'ai encore miné en dessous de moi et devine ce qu'il y a. De la lave. De la lave. Voilà, j'ai pas y tomber encore. Donc, encore une petite astuce, hein, ne jamais miner en dessous de soi, à part si vous êtes sûr qu'il y a de la cobble ou une substance juste en dessous. Peux-tu essayer d'arrêter ce courant d'eau parce que c'est juste
hyper souvent. Ouais, Attends, mais je vais le faire. j'arrête. Hop, oh là là. Ouh. Donc ce troisième épisode commence très mal, les amis. On a perdu environ la moitié de nos ressources, hein, mais bon, c'était que de l'iron, c'est pas comme si on avait 120 diamants dans notre inventaire. Et Enfin, moi, bref. je tombe sur un super endroit. Un super endroit. Donc, moi aussi, j'ai trouvé un truc pas mal. Il y a encore un Underman qui me regarde avec ses petits yeux. On va manger de la viande de zombie. Bonjour la laine après, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a plus de viande. Donc, alors, la viande de zombie, c'est très simple. Ça vous refile de l'appétit en fait, mais c'est un moyen de reprendre ses roast beef temporairement. Voilà, on mine l'iron, hein. C'est toujours la même chose dans Minecraft, miner, miner, pour se stuffer. Donc voilà, on s'enfonce dans les profondeurs. Il y a déjà de l'or, mec, mais de l'or pré-miné. Donc tu as direct sur la forme de cube que je peux ramasser. À mon avis, t'as dû passer par là. Certainement. Ah, on entend la petite musique. Enfin, moi, j'entends la musique, hein, qui est très fun, Ouais. d'ailleurs. C'est très relaxant. Ah ouais. Donc là, vous voyez, quand la musique passe, j'oublie complètement que je suis mort dans la lave. Hein. Comme si c'était rien passé. Je suis juste derrière ça. Donc, bon. Il faudrait qu'on mette en place un système. Waouh, c'est là où tu étais tout à l'heure, hein. Oui. Faudrait qu'on mette en place un système de comment dire, de farmage de lave, de diamants, excuse-moi. Tu connais le système ou pas? Non. Donc en fait, faut qu'on aille jusqu'au, comment ça s'appelle là, le bloc à la fin là. Bedrock. Voilà, la bedrock, on va jusqu'à la bedrock, donc on va faire un escalier jusqu'à la bedrock. Et ensuite, je vais vous expliquer sur le terrain. Donc alors, bon, bah j'étais encore loose. Ah, je vois ton pseudo. Heureusement que tu vois mon pseudo parce que sinon. Ah bah il y a de la redstone. Bah je pense qu'on va commencer le minage ici. Voilà. Hop. Donc voilà. Où es-tu? Regarde mon pseudo à ta droite. Ok, à ma droite. Mais malheureusement, je vois rien à cause. Bah si, c'est bon, je te vois, mais avec l'ombre, en fait, on voit pas trop. Donc voilà, on continue, Et voilà, j'ai miné jusqu'à terre. Donc voilà. On va commencer l'escalier ici. Je te laisse bah, niquer la pioche en iron. En fait, une petite. Attends, le monde. Tu sais où sont les coffres, enfin, la table de craft et les faux? Ouais, je pense qu'on pourra s'en sortir, t'inquiète pas. Parce qu'il y a tout le fer à côté. Oh non, je vais mourir. Y a quoi? Tout le fer et tout. Attends. Je vais mourir. Vite. Oh mon Donc voilà, on a toujours pas trouvé le diamant malheureusement. Au passage, j'ai une petite astuce avec la redstone. Quand vous tapez une fois dessus, ça peut vous éclairer. Enfin, quand elle est encore en numéro. Donc ça nous permet de générer de la lumière. As-tu des torches? Ah, bah voilà, j'ai la réponse à ma question. On va continuer de creuser. Nous sommes à peu près 6 ou 7. Enfin, t'arrives bientôt à la bedrock. Très C'est à bientôt. combien là? Attention, Ah, on lave à est ta à... droite. Lave à ta droite. Là vers ma Voilà, on droite. arrive. Regarde. Wow! Sérieusement, le monde que j'ai généré avec mon ordi, c'est vraiment de la daube. Hein. Il y a de la lave partout. Donc alors, la technique, c'est tout simple. On va remonter 5 cubes au-dessus de la bed. Et après, on va commencer à faire des couloirs de minage avec Brendan. Et normalement, on a beaucoup de chance de tomber sur du diamant. Ou Sur de de la la... lave, si. Voilà, j'allais dire justement, mais bon. Donc là, il y a du gravier, c'est assez saoulant. En plus, j'ai même pas de torche. Je suis parti en éclaireur dans cette mine. Tiens, je prends le lancer. Trois, j'en ai trois. Bon. Ok, donc 3. J'espère que ça suffira pour tomber sur au moins un diamant. Essaye de pas trop épuiser la pioche
La ouais, pioche en iron, parce qu'on en aura besoin si on tombe sur du diamant. Le problème, c'est que j'ai que une pioche en bois à part ça. Ok, d'accord. Kilok, donc on pose tout ça tranquillement. Donc voilà, j'ai d'ailleurs cassé. Ah, je me laisse quand même. Non, j'ai cassé la pioche en bois. Ok, d'accord. J'avais compris autre chose pour ça. Donc, alors, maintenant, depuis la 1.2, et ben, nos outils Minecraft, quand ils se cassent, et ben, ça fait un son particulier, ce qui est assez stressant. Donc voilà, avec Brendan, on va... juste une petite info, est-ce qu'on est à au moins 5 blocs au-dessus du diamant? Enfin, de la bedrock, excuse-moi. On est à la couche 10, donc oui. Oh, bah du diamant, mais les amis, du diamant. La technique marche très bien. Oui, deux diamants. Voilà, on a deux diamants ici. La classe, trois diamants, quatre diamants. Je vous conseille cette technique. Donc, je vous refais un petit résumé. Vous allez jusqu'à la bedrock et vous remontez environ 5 ou 6 blocs au-dessus. Et vous commencez à creuser des couloirs. Bon, là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a à peine creusé notre premier couloir. Et on sort avec combien de diamants, Brendan? 4. 4 diamants, soit... On ne pas 5 minutes, soit. Voilà. C'est la classe. C'est la classe. En moins de... Bah, en 3 épisodes, on a trouvé 4 diamants, les amis. Qu'on va essayer de remonter dans l'épisode suivant. Donc, voilà, on se quitte avec Brendan qui va nous montrer le diamant sur sa main. Attends, je remets ça avec vous. Ah, okay. Donc, voilà, on se quitte. Alors... On va regarder Brendan qui nous gère du diamant. Et non, tu verras pas. Donc voilà, il nous file les 4 diamants. On a 4 diamants, les amis. Donc bien joué à toi, Brendan. On a fait une bonne coopération, mais bon, maintenant faudra le ramener à la surface. Et ça, c'est autre chose. Donc je vais te laisser le mot du jour. Minage, diamant, comme tu veux. Minage, diamant, ouais, donc ça fait mine diamant. Donc les amis, on va se quitter sur ce mini plan de mon diamant, enfin de notre diamant, excuse-moi. Donc si on toi t'as... Dire le plan, c'est toi qui l'as pris. Non mais non, tu es mon coéquipier, mon mineur fou à moi, donc tout ce qu'on fait ensemble, ça nous appartient à tous les deux. Donc si toi t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des j'aime. Et à commenter cette vidéo si ça t'a fait plaisir. Allez, Brendan, on se dit à la prochaine. Et allez, salut tout le monde, ciao. À plus.